عايش ولدي، عايش ولدي هنيني، الشافي اللي جاي اليوم فرنساوي وانا نعرف ولدي تبارك الله عليه بييم ويطلع في السوري. صحيح. اي تحب نعلمك جملتين تعودهم، ما تكثر ليش جملتين، تفرحش قدام الراجل. اي سيدي، اول ما تراش تقول، اول ما ترى الراجل هذا شكون؟ شنو نقول؟ تقول له واو، ساعديك تبدا له واو واو. بونجور بونجور مسيو مسيو سيباستيان سيباستيان. فهمت ولا؟ اي تغزر له تبتسم وتقول له واو واو. بونجور مسيو سيباستيان أليز. بونجور مسيو سيباستيان أليز. واو واو البهامة. واو على البهامة. واو على البهامة. البهامة نحا مش لازم تقول بونجور. كومونت أليفو كومونت أليفو. هلا بونجور مسيو سيباستيان. بونجور مسيو سيباستيان. الو الو يعطيك اه ديجا إنو مسيو سيباستيان إي فوني مسيو فوني à la fin, E accent aigu. Waouh, monsieur Sébastien, venu, accent aigu. Salam. Salam. Sébastien, mon ami. Bonjour. Bonjour, monsieur Sébastien. Lébès. Comment allez-vous? Alhamdoulilah. C'est mon fils Zied. C'est vrai, il apprend le français. Oui, il est maigre en français. Alors, qu'est-ce qu'on va préparer pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je t'ai préparé une petite recette très fraîche. Mmh. Donc on va faire un petit tronçon de pastèque avec un tartare de fraises et un petit tartare de poisson avec. Et en deuxième plat, donc on a prévu aussi un petit risotto. Inch'Allah, Inch'Allah. Quel aime chantier? De même. Chef Charfou! Chef Charfou! Chef Jafour. Mesdames et messieurs, bonsoir. Attachez vos ceintures. Voici le chef Sébastien. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Tu parles un peu en arabe? Chouya. Inch'Allah. قول شالله رمضان مبروك. لا مبروك. رمضان مبروك. الناس اللي تفرجوا فينا الكل. اليوم الشيف يعني فرنساوي والأكلة اللي عملها لنا أكلة عالمية على الأخر. خاطر أنا شفت الـ Donc on peut commencer. Oui. Donc ce soir, on va faire une belle recette un peu fusion, un peu tunisienne avec un peu de français revisité. Donc on a préparé un petit tronçon de pastèque avec un petit tartare de tomates, avec un peu de pêche, un peu de poisson. Alors? Après, donc la recette, elle est très simple. Donc pendant Ramadan, justement, on a tendance à manger vraiment beaucoup. Donc on a travaillé la pastèque qui va alléger un peu au niveau de l'estomac, avec un peu de condiments et du poisson frais, tout simple. Très facile à faire. On y va. On attaque? Oui. Tu m'aides? Oui. Yalla. Oui. Donc monter les tomates, c'est quoi? C'est juste enlever ici et faire une petite croix sur la tomate. Hac, hac. Oui, tout le chien a un doué. Pshia le hub. Hac, le hub. Le hub. Dis-moi le hub. Pshia le hub. Dis-moi le hub. Pshia, pshia. Ok. Pshia, pshia. C'est bien, y'a, attends. Et ouais, c'est un goulik. C'est bon? Bye. Voilà. Tu vas prendre ça, hop, un petit cure-dent. On va enlever les pépins de la pastèque, que c'est pas agréable quand on mange. Donc délicatement, tu vas commencer à enlever ça. On a nekloo, le clou. C'est vrai. Ouais, blèche. Là, là, blèche. Donc tu vas enlever ça. Ok, tout de suite. Ok. Moi, je vais attaquer le poisson. Donc dans la recette, on va mettre un peu de coriandre avec le poisson, un peu de citron, un peu d'huile d'olive. On va tout assaisonner correctement. Après, on va faire le tartare de tomate. On va mélanger le poisson. Hop. Donc là, on va zester un petit citron. Je le fais ou tu le fais? Tu le fais, je le fais. Barcha. Octopus, carnita, moi, toi et... Tous les cœurs. Donc voilà, après on va mélanger... Ne me quitte pas. Un petit peu d'huile d'olive. Tafani, jemle, il m'éta. Chia, pchia. Oui. Hop, comme ça, léger. Tu comprends en arabe? Chouya, chouya. Ouais, y a une différence entre le Maroc et la Tunisie. Ah, c'est léger. Donc un peu de sel. Un peu de sel. Je vais mettre un petit peu de poivre. Moi, j'habite à Mohamedia. Mohamedia. Oui. L'avenue. L'avenue. Oui, l'avenue. Va. Le Mourouche. Va. Rond-point. Va.
Va, les houdiers, tu sais. Oui. Va. On va rajouter un peu d'oignon. Ok. Les houdiers, va. Va. Fouchène. Fouchène, va. Le Mohamedi, juste on va. Et on y va. On y va, voilà. Malla khidma, atahana. Donc là, j'ai mis un peu d'oignon. On va mettre les herbes. On va mettre un peu d'oignon fraîche. Hop là. Quelques feuilles. Quelques feuilles. Donc on va mettre menthe. On va prendre un petit peu de basilic. Basilic, hey, khoui, hey. Basilic. Basilic. Et après, on va ciseler ça. يتنهد فرنساوي يتنهد شنو نحكوا نعمل لي لوسكون ا دي بروبليم اون في كوم سا دونك tu vois les herbes très fin كالعاده يبعثني نقضي hop on ajoute dedans tout simplement oui donc j'ai mis la menthe et le basilic en même temps d'accord nous sommes des étrangers et sans papier des hommes et des femmes Notre-Dame de Paris oh, oui. Très joli j'aime je partage Ajbouni. Ah, comment on dit Ajbouni, on arrive. Ajbouni. Ajbouni. Ajbetni. 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 Donc le tartare, c'est bon. Oui. L'eau est chaude, donc on va plonger les tomates. Donc on met les tomates. Oui. On va laisser entre 15 et 20 secondes. Juste pour décoller la peau. Ah, ok. Donc là, on va passer un petit coup. Donc tous les queues, et puis on les met dans le bain. Voilà, dans le bain. Ouais. Donc tu vois, je vais faire la peau commence à se décoller légèrement. Ah, okay. Une fois que ça se décolle, hop, on va retirer les tomates. Hop, oui. C'est plus facile, ça facilite en fait. Donc ça c'est bon, on va couper. Tu marié ou non? Inch'Allah, octobre. Octobre. Ah, Inch'Allah. Ça va, on a zagrita. D'octobre, rage. Là, oui, zagrita. Tunisienne. Hein? Tunisienne. Ah. Elle est d'où? Elle est de Tunis. De Tunis? Oui. Comment elle s'appelle? Je vais dire son surnom, Titi. Elle s'appelle Titi? Ouais, c'est son surnom, ouais. Tunisienne. J'enlève les cœurs? Oui. Ok. Ni une Titi, totalement Tunisienne, c'est Titi. D'origine tunisienne? Bien sûr. Elle s'appelle Eshraf. Allez, voilà. Mabrouk. La belle, c'est que la belle. Ça, bien rage. Inch'Allah. Tiens, homme, t'es marrant. Très marrant, très bleu ciel, très. Je te jure, elle est aluminium, très aluminium. Aluminium, oui. Elle est mignonne. Elle est très mignonne. Alhamdoulilah. Donc là, j'ai fait des petits cubes de fromage qu'on mettra après sur la pastèque. Tu vas aller. On va les tremper légèrement. C'est bon les pépins, je vais enlever. Normalement, c'est bon. C'est bon, chef. Moujoud, s'il reste un pépin, un deck. Hein. Ok. Donc après, tu vas juste te paner légèrement. D'accord. On va juste te faire les petits cubes comme ça. Hop. Okay. Et tu les mets comme ça. Laisse-moi. C'est bon, Amchi? Laisse-moi. Ça fait. Le wallah qassam bli acha alam hadi. Le. Ondo fazet hadou ma ou mara nchoufhom malta. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est du cure-dent. 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 C'est du n'importe quoi. Cure-dent. Mon fils Zied, il s'appelle cure-dent. C'est vrai? Ah, on l'appelle cure-dent. Donc là, je refroidis les tomates rapidement. Bah, oui. Sous l'eau froide. Mais il fait du coup, je crois. On peut refroidir aussi avec des glaçons si on en a. Donc, le tartare, on va mettre au frais en attendant. Ouais, ok. Tiens, un ami. Donc tu vas marier quand? Inch'Allah, le 29-30-31. Ici, en Tunisie? Oui, en Tunisie, et tu vas faire les mzaoudiyas? Oui, comme ça. Hein? Voilà. Aïe. Attends. Vas-y, on s'en fait. Léli. Oh. Ya'ini al-hout wal-mannani. Hout. Oh. Viens. Rabbi, tsafqa li li'a. Allez, viens, Sébastien. Merci, Sébastien. Amour, galoire et beauté. Donc après, on va couper les petites tomates. À deux, patiemment. Donc le fromage, c'est bon. Hop. Fort Boyard. Le maître des clés. Très. Passe-partout. Passe-partout. Hey. Passe-partout. Oh, monsieur. Vous avez les clés. Et... Tu veux couper les tomates? Oui. Si tu veux. En petits cubes, tout fin. Laisse-moi, parce que les poulets noirs tournent sur moi.
La poule noire. C'est la poule noire. Et Djedlak a des dourbillés, donc laisse-moi tranquille. Aïe. Voilà. Bye. Ça, on va débarrasser. Il y a un proverbe tunisien. Je connais la poule noire. Comment? La poule noire. Non, non. Il y a un proverbe qui dit Naja tfoukh rbliyat l'allouche. Tu le sais? C'est le mouton, la femme du mouton. La femme du mouton. La femme du mouton. Du mouton. Attends, attends. La femme du mouton tfoukh. Comment dirais-je tfoukh? Tfoukh, ça veut dire oh, on est bien. On est bien. Ok, on est bien devant le mouton. On n'est pas bien. Hein. Donc là, on a le petit sel piquant de tomate. On va prendre un petit saladier s'il en reste. Ok. Ça, on va le mettre au frais pour pas que ça reste tout chaud. Bon, Azem, j'ai dit, tabou à la bide, mais je ne fais pas Mais tabou à la bide, traque, je vais faire un hout. Faire un tomate, je vais le cousser, tu le fais de ce soir. Rage, je vais le mettre ma titi. Bon. Le fromage, je vais le rapsouf, je vais le عندنا القارص عندنا دلاعها وقال لك نحي القلوب معناتها معناتها باش تحبوا تحضروا الرسالة هذه تحبكم قبل رمضان ب 20 يوم تخرجوا معناتها في مظاهرة تشريوا الدلاع اي بوي اونليفي لي بيبان لي بيبان لي بيبان جون بيير بيبان فوالا اه جو لادور جو لادور كوم جوار سي فري جي بيبي جو او كوت سيزو الي فورميدابل 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 دونك لا اون فا سيزوني سيل بوافر Hop, ça, on passe un coup. Un peu d'huile d'olive. L'huile d'olive, azoul. Zitoun ou la zit laoud? Zitoun. Zitoun. Si tu veux l'huile du juge, j'en ai l'huile du juge, zit l'hakm. C'est loin, c'est loin. Donc un peu d'huile d'olive. Oui. Hop. L'huile d'olive. Vous aimez l'huile d'olive? Bien sûr, Benin. En France. Bien sûr. C'est. Nous, on voit seulement et on meurt avec notre cœur. Non, c'est très bonne. Elle est très bonne, l'huile d'olive en Tunisie. Ah oui, oui, très bonne. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. Donc ça, il faudrait préparer des feuilles de menthe, encore. Voilà, les feuilles de menthe, voilà. Basilic. C'est imperméable. Basilic, oui. Basilic, c'est ça, deux, trois feuilles. Basilic, oui. Merci, chef. Non, non, pas de quoi. Pas de quoi. Donc les feuilles, on les met les unes sur les autres comme ça. Hop, c'est plus facile. Pour les couper après, hop, comme ça, et on les roule. 9000. Oui. Aïe! Ah oui, ah oui. Non, non, regarde, non, là, c'est si bon, tu coupes, tu. C'est bon, il n'y a pas de problème. Assurance, oui. Donc, on assaisonne comme ça. On va rajouter une petite pointe de coriandre qui est juste devant. Hop. Cosbourg ou Manous? Ça, c'est comment ça s'appelle? Ça, c'est la romaine. La romaine? Ouais, salade romaine. Non, non, ici en Tunisie, on le met dans les ronds-points. Dans les ronds-points. Allez? On met khassa. On met khassa dans les ronds-points. Tu bardo, il y a khassa comme ça. On le met ici. T'as des sœurs? J'ai une sœur. Une sœur. Elle est mariée? Mariée? Ouais, mariée. Dommage. C'est ça? Oui, on te frise. Madeleine. Un peu de pignon. Pignon, bien sûr. Indispensable. Indispensable, bien sûr. On va mettre une petite cuillère comme ça. On va hacher un peu de noix de cajou. Tu veux les couper? Oui. On va rajouter aussi un zeste de citron. Ok. Hop. C'est bien comme ça. C'est très bien, chef, c'est très bien. Donc on va se tailler 2-3 petits morceaux de pêche pour la décoration, ça sera toujours joli. On va faire 3 petits morceaux comme ça, ça sera suffisant. Voilà. On va se faire 2-3 copeaux de parmesan. Du fromage? Oui, parmigiano. Je peux écouter. Il y a qu'à dire. Kahkah, rem, kathah, fil wad, amel, sedaïl, hait. Donc le c'est bon. On va se faire un petit peu de place pour le dressage. Chef Jafou.